Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de nous rejoindre au Forum virtuel 2023 du Gender and Health Hub. Preuve, voix, action, l'égalité de genre dans le secteur sanitaire, promouvoir le changement. Je suis Sagri Singh et je suis chef du département genre et santé à l'Institut international pour la santé mondiale de l'Université des Nations Unies. Nous travaillons avec des partenaires dans les pays du Sud et notre Health Hub, nous allons nous intéresser aux questions du genre et leur intégration dans les programmes sanitaires et les politiques sanitaires. Nous allons donc parler de ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas sans bien, pas si bien. Nous allons nous concentrer sur les bonnes pratiques, chercher à comprendre les égalités de genre et leur intégration dans le système. Nous reconnaissons que nous travaillons avec les communautés et pour les communautés, un aspect critique pour pouvoir livrer les résultats. Donc, nous allons organiser 3 jours, 3 sessions sur 3 jours avec différents partenaires. Nous allons traiter différents sujets dans le domaine de l'égalité des genres, dans le domaine sanitaire en particulier. Nous allons parler des pratiques prometteuse, comment agir collectivement, utiliser notre expertise, notre savoir-faire, nos apprentissages pour faire avancer les méthodes et les pratiques dans le domaine de l'égalité des genres. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager aussi avec vous les résultats de notre étude de cas. Ces études de cas qui étaient donc un travail avec l'université West Cape School of Public Health et Public Health Foundation of India, qui sont nos partenaires, qui sont présents ici aujourd'hui, qui sont co-hôtes de cet événement. J'aimerais les remercier. Merci de la part de tous nos collègues à l'IIGH, ONU, qui nous ont aidés à concevoir ce projet, à l'élaborer et à le mener, et qui ont aussi participé à l'organisation de cette session. J'aimerais remercier mon équipe qui ont travaillé dur, Johanna, Arthur, Zaïda, nos partenaires des universités et écoles partenaires. Nous allons partager les résultats de nos recherches. Je dois mettre en avant le fait que ce processus de collaboration dans le cadre de ce projet était extrêmement intéressant. Je vous encourage bien sûr à aller voir notre site internet où vous pourrez trouver plus d'informations sur ce sujet. Cette session est organisée en mode webinaire, mais nous sommes intéressés, si vous souhaitez partager des commentaires, vos questions pour les panélistes, n'hésitez pas à utiliser la section questions et réponses. Donc, nous allons maintenant entendre tout d'abord Johanna Riha. Nous entendrons Asha George également. Et Naïla Kabir. Ensuite, nous entendrons nos panélistes. Puis, nous passerons un petit peu de temps pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez, vos commentaires, vos réactions avec le hashtag Gender Health Hub. Maintenant, j'aimerais accueillir Naïla Kabir. Elle enseigne le genre et le développement à la London School of Economics et les sciences politiques. Elle est associée à International Inequalities Institute de la LSE, siège au conseil d'administration de l'Atlantic Fellowship for Social and Economic Policy, une des personnes véritablement pionnières en traitant de ce sujet de l'égalité des genres pour créer des structures de gouvernance plus équitables et plus inclusives. Je vous donne la parole, Naïla Kabir. Merci, Sagri, pour cette introduction. Je suis ravie, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour ouvrir cette session et ouvrir ce forum. C'est un plaisir parce que ce sujet de la santé, des systèmes sanitaires, c'est un sujet passionnant. Nous pensons bien sûr aux capacités des systèmes sanitaires. Nous savons que les femmes, souvent dans ces opportunités de créer des moyens de subsistance, sont souvent en retard parce que nous savons qu'elles sont plutôt responsables de s'occuper de leur famille, de leurs enfants, de leur foyer en priorité. Et si nous pensons à un niveau micro, ces problématiques, ces sujets
de maintenir un bon état de santé, c'est une préoccupation pour toutes et tous, bien sûr. Et nous devons savoir que la santé est un sujet lié véritablement à notre bonheur. Si nous ne sommes pas en bonne santé, il est compliqué de se sentir heureux, de se sentir bien. Et nous ne parlons pas suffisamment du bonheur, de cette bonne santé, à mon avis. Si je ne suis pas heureux, si je ne suis pas, je ne me sens pas bien dans mon corps, alors je ne vais pas pouvoir vraiment m'ouvrir au monde, vraiment peut-être chercher à développer ma carrière, à développer mes opportunités, les possibilités. Donc c'est ainsi que je souhaiterais ouvrir cette session, mes observations. Ces sujets que nous allons aborder sur 3 jours, vous l'avez dit, bien sûr, Sagri, nous connaissons ces sujets, ces problématiques. Nous pouvons alors, à un niveau théorique, nous poser la question que devons-nous faire, que faut-il faire? Mais il faut vraiment penser aussi aux pratiques dans le monde réel. Et c'est là le défi. Il faut penser à ces politiques, les interventions qui seraient possibles pour vraiment créer un changement, lancer un processus continu de changement. Et il y a des contraintes, bien sûr, les inégalités, le système, du patriarcat. Dans nos sociétés, nous avons besoin souvent de ces interventions externes, d'amorcer ces changements, d'amorcer ce soutien. Il faut donc souvent lancer des évaluations d'impact. L'étude dont vous avez parlé, fondée sur la pratique, sont véritablement des amorces de changement, vont nous lancer sur cette trajectoire de changement. Parce qu'il faut cet œil externe pour essayer de changer la situation vers un état plus désirable. Mais bien sûr, lorsque vous souhaitez changer le statu quo, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des freins. Il faut prendre en compte ces règles de la vie quotidienne, de la société. C'est souvent une question de changement de culture. Nous cherchons à amorcer un changement culturel. Parce que les personnes, peut-être, vont réagir en disant, mais cela va à l'encontre de nos valeurs culturelles. Mais il faut vraiment prendre en compte de manière globale que nous savons qu'améliorer l'égalité, l'accès aux soins pour toute personne, ceci est tellement important. Donc, les études de cas que vous avez choisies, vous les avez très bien choisies, c'est ma première observation. Je sais que chaque pratique que vous allez présenter présente des interventions sur un sujet différent. Par exemple, au Népal, la pratique sur le droit à l'avortement, bien sûr, cela veut dire que, de par l'histoire, nous savons que des femmes qui n'ont pas la possibilité de terminer volontairement une grossesse doivent avoir à vivre avec les conséquences. Et nous savons qu'il y a un problème de mortalité maternelle dans ce pays. Et nous pensons que c'est un événement naturel, c'est ainsi, ces personnes ont décédé, ça arrive au cours d'un accouchement. Mais là, il faut savoir qu'il y a un changement politique qui pourrait donner lieu à un changement dans les mentalités, dans la culture. Et nous allons entendre l'éducation sur le sujet des professions de santé, des professions médicales pour sensibiliser, que ceci fasse partie de l'éducation dans les écoles, dans les universités. Nous allons entendre parler là des compétences, des états d'esprit qui sont importants pour que les médecins, les professionnels puissent se comporter différemment. Donc, nous entendrons l'exemple des Philippines, les changements des pratiques aux Philippines. Que faire? Il y a donc effectivement une étude qui a démontré qu'il faut bien sûr avoir l'éducation, les informations pour demander, par exemple, l'accès à la contraception. Au Niger, nous voyons des changements dans les comportements, les attitudes des hommes, qui sont bien sûr des partenaires importants dans ce projet de l'égalité des genres, qui sont parfois sous-estimés peut-être ou sous-utilisés, parce que certains hommes, certaines personnes pourraient penser qu'ils pourraient y perdre en cas de changement de culture, mais si nous travaillons ensemble, qu'ils sont intégrés dans les changements de mentalité, de culture et de politique, c'est ainsi que nous verrons des changements. Nous avons vu en Éthiopie des efforts qui ont enquêté sur des étudiants ont enquêté sur deux états, un état de changement dans les pratiques, de changement dans les idées, de changement dans les mentalités.
Nous savons bien sûr que nous parlons ici de l'égalité des genres et notamment des femmes, mais nous ne parlons pas ici d'une catégorie tout à fait homogène. Il y a une intersectionnalité, il y a tellement d'aspects dont nous devons parler. Il peut y avoir des changements, des différences d'origine ethnique, des différences d'identité de genre, des différences d'orientation sexuelle dans ces populations de femmes. Donc, bien sûr, lorsque nous parlons des cliniques visant à une meilleure égalité des genres, il faut aussi intégrer, par exemple, en Inde, la communauté LGBT. Des groupes qui existent depuis toujours, mais qui sont souvent laissés, qui sont souvent marginalisés. Donc voilà, c'était mes commentaires pour lancer cette session. Et j'aimerais juste revenir sur ce que j'apprécie vraiment dans votre approche pour ces ateliers. Vous avez vraiment une approche holistique, globale, où vous vous intéressez aux normes, aux règles, aux pratiques sur différents niveaux. Et vous ajoutez aussi la dimension de ce que nous devons faire et ce que nous devons faire mieux. Ouvrir des opportunités. Répondre à des défis. Nous allons au-delà de ce que nous ne faisons, ce qui n'est pas bien fait dans les sociétés, ce qui n'est pas, comment nos sociétés ne sont pas prêtes peut-être pour l'avenir, pour plus d'égalité, mais véritablement vous amenez ce nouvel aspect, des solutions, des pratiques encourageantes, prometteuses. Donc j'ai lu ces études de cas du Niger, des Philippines, du Népal. Je sais que vous avez beaucoup, d'éléments intéressants à communiquer à toute notre communauté. Alors, je vous souhaite un très bon séminaire. Merci, professeur Naila Kabir. Merci pour cette introduction. Vous avez donné un aperçu des études de cas que nous allons présenter aujourd'hui. Et donc, je suis Johanna Ria, chercheuse universitaire à l'Institut international pour la santé mondiale de l'Université des Nations Unies. Je vais présenter maintenant les projets, quelques détails sur les études de cas et les résultats. Les diapositives sont disponibles en français, en espagnol. Nous allons mettre dans la messagerie, dans le chat, le lien si vous souhaitez suivre en parallèle les diapositives dans votre langue. Et je souhaitais donc présenter le contexte, planter le décor si vous voulez. Comme nous avons entendu de professeur Naila Kabir, nous savons que nous vivons des crises multiples sur la santé et l'égalité de genre. Une montée croissante des mouvements anti-genre dans de nombreux contextes. Nous savons que nous devons travailler à l'intégration de l'égalité de genre dans les programmes sanitaires, en particulier après la pandémie de Covid et ce que nous avons vécu récemment. Nous savons qu'il y a maintenant des preuves solides tirées du programme de santé féministe sur les problèmes et les solutions. Nous savons sur les différents programmes SDSR et violences basées sur le genre, des problèmes et des solutions ont déjà été présentés, mais trop d'interventions de santé sont considérées comme possibles sur le court terme et à petite échelle, dans des contextes contrôlés. Donc, il était important pour nous d'en apprendre davantage sur les méthodes efficaces et moins efficaces dans des contextes nationaux plus diversifiés, en particulier l'intégration des questions de genre dans les programmes de santé gouvernementaux mis en œuvre à grande échelle et sur le long terme. C'était donc dans ce contexte que nous cherchions à travailler, donc développer l'échelle de temps. Ainsi, nous avons cherché à comprendre les éléments, les cas, les études de cas, voir quels sont les gouvernements qui ont réussi à intégrer cette dimension du genre dans leur politique. Et Sagri, dans son introduction, vous a dit que c'était véritablement un projet collaboratif, que ce soit avec les universités, écoles, impliquer les différents partenaires, notre université. Et depuis le lancement de ce projet, cela faisait partie de notre intention de pouvoir identifier autant de cas, différents cas que possible. Nous avons lancé donc un appel aux participations, une revue, un suivi avec différentes parties prenantes pour pouvoir véritablement créer des liens et identifier des cas d'intégration de genre réussis en Afrique,
en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est. Nous avons identifié plus de 51 exemples de cas potentiels. Nous savons que nous avons identifié un grand nombre de projets et nous avons vraiment voulu traiter du sujet du traitement de cette question de l'inégalité de genre. Et 6 études de cas Allah qui ont été présentées par professeur Kabir dans son introduction ont été sélectionnées. Donc nous allons écouter le cas de l'école de Marie au Niger, l'intégration des hommes dans les programmes sanitaires, au niveau institutionnel aux Philippines, dans l'hôpital régional de Barrio, l'intégration de genre dans les pratiques de l'hôpital, la clinique à Talunajo avec les guides sur les questions de genre qui abordent particulièrement le cas des personnes transgenres. Donc, nous avons sélectionné aussi l'Éthiopie, fournit des services concernant la violence basée sur le genre. En Inde également, donc l'intégration du genre dans l'état de Maharashtra, dans le système éducatif, dans les écoles de médecine. Et au niveau des politiques gouvernementales, nous avons dit, par exemple, cette question de l'avortement sûr en toute sécurité au Népal. Donc, nous avons pris en compte tous ces différents éléments, des éléments différents qui étaient importants selon nous. Nous avons lancé des entretiens, des dialogues, des revues de documents pour être sûr que nous avons identifié les bonnes parties prenantes, ce qui est vraiment une caractéristique unique de ce projet. Nous avons ainsi créé des liens avec les décideurs d'action publique pour avancer sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails puisque je n'ai que 10 minutes, mais je voulais vous donner quand même la manière dont nous avons analysé et quelles sont nos preuves et quels sont les résultats de cette recherche. Et comme je l'ai dit, nous avons mis donc des recherches clés. Et qu'est-ce qui a permis à ces programmes de rentrer dans cette intégration du genre dans la santé? On a regardé donc ces éléments à différents niveaux. On a cherché les facteurs au niveau national, qui est-ce qui soutient les lois et les politiques qui existent déjà, les organisations de la société civile qui existent déjà. Au niveau institutionnel, on a également recherché quelles collaborations multisectorielles existent, qu'est-ce qui permet à cette collaboration multisectorielle de pouvoir fonctionner le mieux lorsque l'on travaille avec des bailleurs de fonds, par exemple, et la manière dont nous créons ces preuves, d'où viennent ces preuves? Est-ce que ce sont des recherches basées sur ce qui se passait dans les pays voisins, par exemple, ou au niveau international? Ou comment est-ce que ces preuves sont utilisées pour créer le changement et promouvoir le changement pour améliorer l'intégration du genre dans ces programmes et ces politiques? Donc, après avoir cherché le contexte, on a essayé de voir qu'est-ce qui était le catalyseur. En réalité, ce sont souvent des individus clés ou des personnes responsables des prises de décision qui comprennent ce contexte et cet environnement au sein des gouvernements, au sein des ministères, par exemple, les dirigeants qui comprennent ce qui est nécessaire, des personnes qui comprennent également les financements et qui comprennent l'importance du cadre. Et ça, c'est clé parce que souvent, c'est ce problème que l'on a dans cette question de mettre un cadre politique, par exemple, dans la loi. Et nous en parlerons plus en détail dans la discussion de panel et nous pourrons définitivement vous partager le rapport si cela vous intéresse. Ensuite, nous avons essayé de regarder quels étaient les mécanismes. Qu'est-ce qui permet d'institutionnaliser ce changement pour le rendre plus durable? Donc, ces questions de politique, ces formations, ces structures et la responsabilité des structures qui ont été créées de différentes manières. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer nos résultats. Et ensuite, on a regardé quels étaient les succès et qu'est-ce qui fonctionnait. On a cherché donc les éléments clés qui ont permis de créer le changement. Donc, en cherchant toutes ces couches de changement, mais c'est ce qu'on s'en est rendu compte en voyant dans les interviews,
Quels ont été les succès d'un point de vue du genre, bien sûr, en parlant toujours de l'amélioration des résultats de santé, mais également de l'amélioration des soins apportés et de l'intégration du genre dans ces soins de santé. Je ne vais pas parler trop longtemps sur ce sujet, mais je voulais quand même vous parler de pourquoi les résultats sont importants, parce qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut changer, on peut amener le changement dans différents contextes. Et c'est une question de tactique. Il va falloir utiliser différentes combinaisons d'options, d'outils pour créer le changement. Et dans ces environnements, même si parfois on a cette section qui nous permet de montrer les succès, il faut se rappeler que parfois, même si les succès paraissent très faibles, si on regarde le contexte du pays dans lequel ces succès ont lieu, si c'est un environnement hostile qui est contre les avancées que l'on essaye d'amener en question en ce qui concerne l'intégration du genre, eh bien ce ne sont plus des succès si faibles. Il faut prendre en compte les réductions des ressources, des financements, la bureaucratie. Donc, quand vous lisez ces études de cas, quand vous écoutez cette discussion de panel, il faut penser à quelles sont les clés qui ont permis la résilience et l'intégration du genre. Alors, je voulais quand même passer quelques instants sur cette diapositive parce que c'est un point très important de notre travail, c'est de reconnaître quelles ont été les occasions manquées. Et dans les études de cas, elles sont inscrites et il y a toujours des manières de s'améliorer, on le sait. Donc, quand on pense à cette intersectionnalité, par exemple, comment est-ce que les dimensions sociales de la discrimination impactent les personnes, par exemple, pour apporter des soins de santé sexuelle et reproductive pour des adolescentes, sans penser à ce que cela signifie pour des adolescentes autochtones, par exemple. Comment ces services doivent être améliorées, doivent être adaptées à ces personnes et la discrimination auxquelles elles font face en ce qui concerne ces soins de santé. Nous devons également penser à faire des liens pour faire progresser l'intégration de la dimension de genre dans d'autres domaines. Et ça, on a ce guide de santé qui a été créé pour offrir des soins respectueux. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce guide pour les soins pour les mères, par exemple, pour les soins de maternité? Donc, il y a vraiment un besoin de relier tout ce qu'on a fait, de créer des liens pour améliorer les avancées et promouvoir les apprentissages de tous les programmes qui existent déjà dans des environnements physiques. Et enfin, il est également très important de penser à la mesure des programmes de santé gouvernementaux, de se dire que les petits succès sont des grands succès en réalité. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer cela? Comment est-ce qu'on peut les inscrire dans la durée? Et toujours en parlant des occasions manquées, et pour finir sur ce point, énormément de travail qui a été fait dans toutes les études de cas ont été faites avec énormément de travail bénévole. Et nous savons que dans ces environnements, les ressources sont essentielles et ces programmes de santé soient vus comme clés et essentiels et que les engagements financiers ou les engagements de ressources humaines, par exemple, soient à la hauteur de l'importance de ces cadres. Et pour finir ma présentation, je sais que je dépasse déjà le temps qui m'est imparti, mais on peut se demander comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce travail, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Je pense qu'il faut reconnaître que, en tant qu'institut et en tant que collaboration de recherche, c'est de s'arrêter ici. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un rapport qui va rester et prendre la poussière sur l'étagère. On veut partager ces leçons qui sont transférables à d'autres domaines et au même domaine ailleurs. On veut reconnaître que ce travail représente en réalité plutôt un marathon plutôt qu'un sprint. Un sprint. Il faut continuer de créer de la collaboration,
mais également de la collaboration multisectorielle. Pensez comment est-ce qu'on peut continuer à co-créer de l'apprentissage pour un impact durable de ces recherches. Essayez de penser à un engagement des personnes clés dans les gouvernements, mais également en dehors des gouvernements. Et enfin, comment est-ce qu'on peut communiquer sur ces sujets clés qui permettent de créer le changement et ce cadre des enjeux pour améliorer cet agenda. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur notre site web pour voir ces recherches. Je vais donner la parole à ma collègue Asha Georges, qui n'a pas besoin d'une grande introduction. Elle est très connue. C'est un vrai plaisir de travailler avec elle sur ce projet, ainsi que toutes les personnes avec qui nous avons travaillé. Alors, Asha est professeure à la School of Public Health du Cap-Occidental. C'est une chercheuse également engagée dans les systèmes de santé pour faire progresser la santé et la justice sociale dans les pays à faible revenu. Asha, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. C'est un très beau début. Merci beaucoup à Naila Kabir qui nous a donné donc ces pensées qui datent des années 90 pour intégrer le genre dans la politique et les programmes. Donc, c'est vraiment un point de départ et un point de référence en réalité pour le travail que nous avons mené. Et Johanna vous a donné un aperçu de ces études. On n'ira pas en profondeur dans ces études, mais notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de trois études de cas. Et on vous encourage à aller, bien sûr, utiliser les liens pour découvrir plus en profondeur ce travail. Nous allons donc avoir une conversation en détail pour partager les expériences, les apprentissages qui sont ressortis de ces études de cas. Nous aurons donc Assia Diarra qui nous parlera de son étude de cas. Nous parlerons des Philippines et de l'intégration du genre dans les centres de santé. Nous avons une collègue également du Népal qui nous parlera de leurs réflexions sur la manière dont nous pouvons lancer l'impact, que nous pouvons créer cet impact au niveau macro pour intégrer le genre dans les cadres internationaux. Donc, on va lancer cette conversation et peut-être juste avant cela, je vais présenter mes collègues de chaque étude de cas. Nous avons du Niger Aïssa Diarra qui et vient de Bamako et qui a un doctorat en anthropologie et ethnologie sociale. C'est une chercheure au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et de développement local au Niger, où elle est en charge du département de santé. Elle se spécialise dans la santé reproductive et sexuelle en Afrique, et elle a dirigé donc cette étude de cas du Niger. Des Philippines, nous avons deux collègues. Nous avons Maria Christine Josevina Balmes, qui est la directrice exécutive adjointe pour les opérations des Philippines en 2017 pour les femmes. Elle a énormément d'expérience et elle a toujours plaidé pour l'intégration du genre dans le département de la santé. Elle est accompagnée par le docteur Jennifer Curry Joseph, qui est une chercheuse universitaire et militante féministe à l'Université des Philippines. Elle a travaillé sur le genre, les études de genre et de la sexualité, également des études autochtones, et a travaillé sur cette étude de cas des Philippines. Et enfin, nous avons le docteur Dib Shrestha Dangol, qui est la directrice du département des systèmes cliniques DIPAS au Népal, qui joue un rôle clé dans son travail avec les partenaires et qui s'engage de différentes manières pour donner du soutien technique pour la mise en œuvre des politiques.
Donc voilà, nous avons notre panel, nous avons quatre collègues qui doivent arriver. Je vois de la part des participants également que beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé avec nos collègues. Est-ce que, ou que vous avez travaillé déjà dans le domaine de la secteur, dans le secteur, pardon, du santé, de la santé et du genre? Alors, nous avions donc cette première question. Nous avons également demandé une deuxième question sur l'intégration du genre dans la santé. On va donc se lancer. Je suis très heureuse d'avoir vous quatre qui nous rejoignent. Peut-être Aïssa, comme Naila Kabir l'a dit, ces programmes sont des programmes qui permettent de changer la culture et qui travaillent contre les cultures actuelles. Peut-être que chacune d'entre vous pourrait nous expliquer ce qui a lancé le changement. Comment est-ce que ces études de cas ont commencé? Et peut-être je vais donner la parole à Issa pour commencer. Ensuite, je donnerai la parole à Christine des Philippines et ensuite Dib du Népal. Quel a été le point clé pour lancer ce processus de changement dans vos contextes? Bonjour tout le monde et merci Asha pour cette question. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager les résultats de l'étude que nous avons menée au Niger sur le programme d'initiative qui a été vraiment très prometteuse qui s'appelle l'École des Marines. Alors, il faut dire pour répondre à votre question que nous sommes dans un contexte au Niger où le taux d'utilisation des services de santé maternelle, de santé sexuelle et de santé maternelle sont assez bas. Les femmes utilisent, les femmes et les jeunes filles utilisent peu les formations sanitaires, les services de santé maternelle. Et il se trouve aussi que nous sommes dans un contexte où nous avons une forte résistance des communautés vis-à-vis des programmes de santé sexuelle, notamment l'utilisation des contraceptifs modernes. Cela est une chose. Il faut aussi dire que l'autre point en dehors du contexte, de ce contexte sur les indicateurs sanitaires au Niger, c'est aussi le fait que nous avons un fort engagement communautaire. Donc, cela a été vraiment un point fort dans le déclenchement de ce programme. Autre chose aussi, c'est que nous avons au niveau du Niger, un engagement au niveau des ONG locales. Donc, les ONG locales sont très engagées et cela a aussi été un élément assez fort. Autre élément, finalement, pour terminer, c'est le rôle majeur de l'UNFPA à travers notamment un responsable au niveau de l'UNFPA qui a vraiment pu mettre en place. Intégrer d'abord l'idéologie de l'initiative École des Maris, mais aussi faire en sorte que on ait vraiment une implantation de l'EDM au niveau du Niger, et cela à partir de Zinder, mais finalement sur tout le territoire nigérien. Merci. Merci beaucoup, Aïssa. C'était une très belle réponse que c'est une constellation de facteurs. Il n'y a pas qu'un seul point clé, mais nous voyons que il y a donc encore des écarts dans l'utilisation des services de santé et les besoins des femmes, mais également de cette question de la culture et comment est-ce qu'on dépasse cela. On vous reviendra vers vous pour vous poser cette question de l'échelle et comment est-ce qu'on utilise les ONG et ainsi que les bailleurs de fonds qui peuvent nous aider à soutenir ces projets. Maria Christine, quelles ont été les points clés dans votre contexte? Merci beaucoup, professeur Achat, pour cette question formidable. J'espère que vous pouvez m'entendre clairement. Je suis à Dubaï. Alors, les engagements internationaux et nationaux aux Philippines peuvent être considérés comme des facteurs qui ont lancé cette initiative, surtout dans les hôpitaux et les centres de santé.
Les gouvernements sont impliqués. Nous sommes très engagés à utiliser les outils des ODD des Nations Unies pour améliorer l'intégration de genre, l'égalité et l'accès à la santé. Et cela est le cas pour chaque personne qui est dans cette couverture de santé. Dans la société civile des Philippines, nous avons vu énormément de changements depuis les années 1975 pour l'intégration du genre et en particulier des personnes transgenres, par exemple. Nous avons lancé donc la première réponse gouvernementale pour l'intégration du genre aux Philippines, donc dès 1975, comme je l'ai dit. Et cela nous a permis de commencer à nous intéresser aux besoins et aux discriminations des femmes. Nous avons intégré dans nos lois dès 1981 des lois pour intégrer les femmes et les besoins des femmes dans notre pays. Dès 1992, nous avons créé un budget dédié aux femmes, le budget des femmes qui s'appelle, pour créer des agences pour mettre en œuvre des initiatives d'autonomisation des femmes. L'interprète s'excuse, nous avons perdu l'oratrice. Et donc, à partir de cela, nous avons énormément de cadres et de lois qui intègrent la question du genre et la question des femmes de notre côté. En ce qui concerne le développement du genre et les lois, ainsi que nous avons donc des lois pour pour les femmes, pour l'aide à la famille, quel que soit le type de famille, ainsi que pour l'aide des personnes qui sont atteintes par le VIH-Sida et pour atteindre la santé. Nous voyons donc cette intégration du genre dans l'institution, dans les politiques, mais ce n'est pas qu'une question de politique et de mécanisme, mais il y a également un objectif d'intégrer la communauté et de protéger notre communauté. C'est donc ce qui se passe au niveau des Philippines. Nous avons cette capacité, puisque nous avons plus d'une cinquantaine de départements dédiés à la santé, que ce soit pour la communauté LGBTQIA+, les personnes autochtones, les groupes linguistiques différents, pour s'assurer que cet aspect culturel soit pris en compte dans les réponses de santé et que les services de santé soient sensibles à la culture, mais également au genre, et que ce soit une nécessité. Merci. Merci pour cette présentation. Nous voyons que les choses ont changé depuis 1975, véritablement, mais cela a été des petits pas, petit à petit, que vous avez décrits. C'est un processus sur le long terme d'apporter petit à petit, de créer cette fondation. Vous avez listé des éléments clés. Vous avez parlé de budget, bien sûr, de composition, de cette architecture, je dirais, pour petit à petit créer cette architecture qui va être un tremplin, une fondation pour le changement à l'hôpital général Baguio. Merci pour cette présentation. Nous pouvons nous tourner vers le Népal à présent pour écouter l'étude de cas du Népal. Nous avons entendu donc la législation nationale aux Philippines, cela vous a aidé. Et donc l'étude des cas au Népal, vous avez travaillé sur cette législation nationale. Comment avoir une législation nationale qui puisse prendre en compte les besoins des femmes et traiter du sujet de l'intégration du genre? Quels ont été les éléments catalyseurs, les vecteurs de ce changement? Bonjour, merci Acha. Donc le cas du Népal, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc avant 2002. Nous savons que sur la base du système législatif, des
Au Népal, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir accès à l'avortement, quelles que soient leurs circonstances. C'était considéré comme un infanticide. Les personnes couraient un risque d'emprisonnement si elles souhaitaient un avortement. Les femmes, à ce moment-là, dans certains cas, devaient avoir recours à des avortements dans des conditions non sûres, avec des complications, bien sûr, des grands risques de complications, avec un taux de mortalité très élevé au Népal, notamment 539 décès sur 100 000 naissances. Le problème des avortements non sûrs était une des causes principales de la mortalité maternelle au Népal. Nous avons vu que dans certaines structures, 20% des décès maternels étaient dus à des avortements dans des conditions non sûres, non médicalisées, qui menaient également à des 50% de ces avortements non sûrs menaient à des complications, à des hospitalisations. Donc, je travaillais dans un de ces hôpitaux où nous devions traiter, porter des soins à des femmes qui avaient eu recours à un avortement non sûr, non médicalisé. Elles avaient besoin de ces traitements d'urgence parce qu'elles avaient pris des mélanges d'herbes, de plantes dangereux ou des ch choses avaient été insérées dans leur, un objet avait été inséré dans leur utérus pour cet avortement, pour cet avortement. Donc, ces avortements illégaux était très risqué. Bien sûr, il y avait le risque d'emprisonnement également pour ces femmes. Et donc, en prenant en compte le taux de mortalité maternelle, cette urgence nationale et internationale, nous savons que c'était très important de plaidoyer pour une réforme de ce droit à l'avortement au Népal. Et un partenariat, grâce à un partenariat, grâce au gouvernement du Népal, avec des membres internationaux, d'ONG locales et internationales, de groupes de plaidoyer, de partenaires privés, d'organisations professionnelles, nous avons vu ces progrès. Je sais que le 14 mars 2002, l'avortement a été légalisé. Ils ont été donc autorisés après 3 décennies de travail sur cette réforme. Nous avions compris les risques trop élevés des avortements non médicalisés, non sûrs. Nous savons aussi que nous avons dû faire des progrès sur le consentement également, avoir le consentement uniquement de la femme enceinte qui souhaite un avortement sans avoir besoin du consentement du père. L'aspect de la confidentialité, il est interdit d'effectuer un avortement qui soit basé également sur le genre. Donc nous avons bien sûr petit à petit fait des progrès sur ce sujet, mais il était véritablement la grande partie de notre travail a été de pouvoir mettre en place cette réforme et d'autoriser l'avortement sécurisé sur médicalisé. Merci. Donc nous avons entendu le cas du Niger, le cas du Népal, le cas des Philippines. Nous savons que la mortalité maternelle est un sujet, bien sûr, très prépondérant. Vous avez parlé de 3 décennies d'efforts, de travail pour que cette réforme ait lieu, donc un travail en collaboration, en partenariat. Je crois que nous avons quelqu'un qui a souhaité intervenir, peut-être avec les résultats d'un sondage. Oui, nous avons les résultats du deuxième sondage. Vous avez donc 71% de l'expérience dans ce travail de l'intégration du genre dans des programmes à plus grande échelle. Nous avons hâte alors d'entendre votre expérience. Donc, nous arrivons à peu près au milieu de notre discussion. Alors, je sais que dans vos réponses, dans vos interventions, vous avez déjà parlé de ce développement à l'échelle. Et la raison pour laquelle nous avons sélectionné vos programmes, c'est parce que ce n'étaient pas des petits projets mis en œuvre par une ONG, mais vous avez véritablement travaillé sur ces sujets à grande échelle. Aïssa, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur, donc particulièrement les éléments clés pour que ces changements soient durables et à l'échelle nationale, notamment au Niger? Oui, merci Acha.
En fait, il y a vraiment au Niger, sur cette initiative, un fort engagement des services gouvernementaux. L'école des Maris a été structurée de telle manière qu'elle soit articulée au ministère de la Santé. Donc, nous avons au niveau du ministère de la Santé, donc cette articulation qui fait en sorte que nous avons un maillage vraiment important de l'EDM à travers le système de santé. Cela est une chose. Aussi, il faut savoir que cette intégration dans le système de santé est visible à travers les plans d'activité annuels que nous retrouvons dans les programmes des formations sanitaires. Ensuite, il faut dire que l'UNFPA, qui a eu vraiment un rôle important dans la mise en place, dans l'élaboration et la mise en place de l'école des Maris, a mis à la disposition justement de ce programme un dispositif assez important. Par exemple, la mise en place de cahiers de suivi pour l'évaluation et le suivi du programme. Et cela, autant au niveau institutionnel dans les formations sanitaires, mais aussi au niveau local où nous avons des ONG locales qui se sont déterminées dans la mise en œuvre et la mise à l'échelle même du programme. Sur ces ONG locales, il faut reconnaître le rôle vraiment important d'une ONG locale qui s'appelle Songe, qui a permis, grâce à sa compétence, qui a dû relever le niveau de sa compétence pour capter justement les financements internationaux. Et donc, Change a vraiment pu, à travers ses coachs, puisque les coachs sont apparus dans le programme EDM comme des acteurs très importants qui sont vraiment à l'interface entre le programme École des Maris et les communautés. Donc, ce sont des observateurs, à la fois des observateurs extérieurs qui ont vraiment une certaine maîtrise même de la mise en œuvre des programmes sanitaires, mais qui sont aussi implantés au niveau des communautés, puisque ce sont des coachs qui vivent avec les communautés. Cela est une chose. Autre chose aussi, c'est que il faut vraiment mettre en évidence cette réalité. Cette réalité dans un pays pauvre comme le Niger, qui est fortement dépendant de l'aide extérieure. Et cette dépendance fait en sorte que les subventions sont parfois, les subventions financières par exemple, sont parfois insuffisantes, ou alors il y a vraiment une rupture des financements. Et cela, il faut dire que cela a été un des défis dans la mise en œuvre de l'EDM, puisque durant une période, il y a eu vraiment une baisse des financements. Et cela a fait en sorte que, au niveau du système de santé, nous avons eu vraiment une résilience des agents de santé qui sont vraiment à l'interface des programmes de santé et des usagers, et qui font vraiment, qui développent des solutions que nous appellerons des solutions endogènes, pour que justement il y ait une continuité de l'école des Maris. Donc vraiment, il a fallu vraiment cet engagement fort au niveau du système de santé. On peut aussi mettre en évidence le rôle du ministère de la Promotion des femmes, puisque il y a vraiment ce rôle qui a fait en sorte que nous ayons vraiment la prise en compte des éléments de genre dans la mise en œuvre de l'EDM, qui au début n'était pas vraiment considéré, puisque nous avions, comme on le voit dans la plupart des EDM qui ont été implantés ailleurs, cette confrontation, cette tension entre le ministère de la Santé et le ministère de la Promotion des femmes. Donc, l'engagement du ministère de la Promotion des femmes fait en sorte que nous ayons vraiment l'intégration de certains aspects liés au genre, tels que le renforcement de la capacité des femmes à négocier les décisions
liée justement à l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive, mais aussi à faire en sorte qu'elles puissent vraiment trouver vraiment des espaces de liberté. Donc, nous avons vraiment ces différents éléments qui ont fait en sorte que nous avons vraiment une forte implantation et une mise à l'échelle de l'EDM. Autre chose, finalement, c'est que il faut reconnaître que l'école des Maris est une originalité en soi, puisque jusque-là, nous avions des programmes de santé sexuelle et reproductive qui sont focalisés sur les femmes sans vraiment prendre en compte le rôle important des hommes qui sont vraiment déterminants dans l'utilisation des services par les femmes. Donc, je pense que cette originalité, justement, de l'EDM a été vraiment, a fait l'objet d'une forte inspiration par d'autres ONG internationales qui ont pu contribuer à la mise à l'échelle de l'EDM. Merci. Merci, vous avez tellement à partager. Je ne sais pas si nous vous donnons assez de temps. C'est tellement intéressant d'entendre votre contexte. Et ce qui m'a frappé, vous avez parlé de... Naila nous a dit de ces perturbations, cet élément disrupteur dans la culture. Vous avez dit au Niger, l'école de Marie, grâce à l'intégration avec le ministère de la Santé, les programmes de formation, grâce à... Bien sûr, le processus d'établissement du financement, du budget, tous ces éléments contribuent effectivement au développement à l'échelle. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler aussi, nous avons entendu parler du cas du Niger, mais alors, Marie et Christine, en travaillant avec l'hôpital, comment est-ce que vous avez pu mettre en place, Jennifer Curry-Joseph, comment est-ce que vous avez pu mettre en place dans votre travail à l'hôpital Bago? Oui, nous avions bien sûr pris en compte le rôle des référents du genre qui travaillent avec les professionnels de santé pour l'intégration de la dimension du genre. Ces référents du genre ont donc véritablement sont devenus responsables de l'intégration du genre dans les politiques de l'hôpital. Donc, cela a été une équipe qui a été mise en place par le biais de son équipe compétente, engagée. Donc, nous avons maintenant 42 membres qui représentent tous les différents services de l'hôpital, les services administratifs également, pour avoir un système qui peut être mis en œuvre de façon cohérente dans l'hôpital. Nous avons donc des réunions qui ont lieu pour suivre la mise en œuvre du plan, pour suivre le budget. Et depuis 2016, ce système est devenu institutionnalisé, c'est-à-dire que nous devons respecter un budget minimum de 5% consacré à la mise en œuvre du programme dans l'hôpital, dans le centre médical. Donc, c'était un minimum de 5%, avec bien sûr le soutien effectivement du ministère de la Santé. Donc, ça a été grâce à l'engagement du personnel, bien sûr, de ce suivi du budget, le soutien du gouvernement. C'est ainsi que nous avons pu développer ce programme à l'échelle. Merci, Jennifer, de nous avoir présenté effectivement ce rôle des référents et donc d'être passé d'une utilisation du budget de 5% à 20%. C'est une belle augmentation, bien sûr. J'imagine que les conséquences ont été visibles rapidement. Est-ce que nous pouvons nous tourner vers le Népal? Quels ont été, selon vous, alors les éléments clés qui ont fait que vous avez pu mettre en œuvre ce programme, changer la législation? Eh bien, nous avons pris en compte le fait que donc ces services pour les femmes pour l'avortement sûr, après l'adoption de cette nouvelle législation, nous avons bien sûr compris que nous pouvons ainsi sauver des vies des femmes, que ce soit dans les villes, dans les centres médicaux principaux ou dans les zones plus éloignées,
les populations plus vulnérables. Donc, nous avons eu besoin, bien sûr, de l'engagement du gouvernement népalais et d'une planification, d'une mise en œuvre bien planifiée. Cela a été donc le premier partenariat qui a lancé un programme durable et un développement à l'échelle. Donc, intégrer l'avortement sûr, médicalisé dans l'initiative, la maternité sûre, pour une maternité sûre. Cela a été une initiative lancée aussi qui a contribué à la réussite de ce programme. Cela veut dire que nous avons pu organiser des formations, changer les mentalités aussi, et aussi nous avons formé la communauté des femmes, c'est-à-dire par le biais de bénévoles, de personnes qui se rapprochaient des communautés, pour qu'ainsi l'avortement sûr soit tout à fait intégré dans le système de santé et dans les mentalités. Cela a été une fondation importante. Nous avons donc profité de cette publication, bien sûr, de l'adoption de la législation. Et en revenant également sur des publications précédentes, notamment de 1995, qui décrivaient donc les complications importantes, les hauts risques des avortements non sûrs, notamment par aspiration manuelle, par exemple, était un sujet traité dans ce rapport. Les professionnels, les fournisseurs de soins de santé, bien sûr, connaissaient ces risques, connaissaient ces complications. Donc nous avons vu ces changements dans les mentalités des professionnels de santé. Puis ensuite, nous avons vu des changements véritablement sur le terrain. Les sages-femmes, les sages-femmes auxiliaires qui travaillent donc au niveau des communautés, qui sont les personnes qui fournissent véritablement les soins de santé au niveau des communautés. Donc nous avons vu donc cette mise à l'échelle au niveau du gouvernement avec le changement législatif, mais il y a eu véritablement ces changements sur le terrain qui étaient très importants pour pouvoir atteindre aussi les zones, puisque nous avons vu les changements mis en œuvre dans les zones urbaines, mais il fallait aussi atteindre les populations les plus vulnérables et dans les zones les plus rurales. Et depuis 2016, les services d'avortement sont gratuits. Auparavant, c'était quelque chose de payant. Donc, cela a été aussi un beau progrès. Nous avons vu aussi des changements pendant la pandémie de COVID, où il était plus compliqué d'avoir accès aux soins de santé, d'avoir accès aux hôpitaux, de fournir ces services pour les mères ayant besoin. Ayant besoin, par exemple, d'un avortement, entre autres. L'interprète s'excuse, mais le micro connaît beaucoup de coupures. C'est donc par le biais de l'adoption de nouvelles lois, comme nous l'avons dit, donc de changement des mentalités et de formation des professionnels de santé. Bien sûr, le taux de mortalité maternelle a connu un déclin, heureusement, avec notamment donc un taux de mort maternelle suite à un avortement qui était donc au niveau de 7%, qui a diminué à 5%. Nous espérons qu'il va continuer, bien sûr, à diminuer. Merci beaucoup d'avoir partagé cet impact et de l'intégration des services de santé dans la loi. Et merci de nous avoir parlé de toutes les possibilités, que ce soit les lignes directrices, les formations au sein du système de santé. Il nous reste moins de 10 minutes et on a encore tellement de choses à dire et à partager. Donc, je vais combiner mes deux prochaines questions parce que je pense que dans nos discussions, on a parlé de la responsabilité. Maintenant que vous avez commencé ce changement et que vous avez, c'est un changement qui n'est plus dans une seule zone géographique, mais qui fait partie des programmes, des régions, des pays dans leur entièreté. Quelle est l'importance, qu'est-ce qui est critique pour le système de responsabilité, pour s'assurer que ce changement reste durable et soit sur
sur la durée et quelles sont les prochaines étapes que vous aimeriez voir dans le système. Alors, on va peut-être faire à l'inverse. On va donner on va donner la parole à Dib pour nous demander son point de vue. En ce qui concerne la responsabilité, il faut vraiment inscrire dans la durabilité le genre dans nos systèmes de santé. Il ne faut pas que ce soit dirigé seulement par les systèmes de politique, mais il faut que au niveau individuel, il faut contribuer au changement. Il faut que la culture évolue pour intégrer l'égalité et l'équité de genre dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas qu'une question de nos systèmes, de nos gouvernements. Il faut penser que c'est aux individus de créer le changement. Donc, il faut commencer par nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va réussir à intégrer le genre dans nos cultures et nos sociétés. Je pense qu'il faut également assurer une représentation des femmes dans les représentations, que ce soit les gouvernements, que ce soit les représentants publics. Les femmes élues au Népal sont encore très peu représentées. Donc, la représentation des femmes est absolument nécessaire parce que elles doivent pouvoir prendre la parole dans des organes de prise de décision, que ce soit au niveau parlementaire, au niveau du pays ou que ce soit au niveau local. Et je pense également que nous devrions avoir des groupes de conseil ou des comités de femmes pour donner des conseils pour la politique. Parce que souvent, dans la création des politiques, il manque cette vision des femmes pour s'assurer que l'intégration du genre dans les systèmes de santé soit durable. Il y a d'autres, peut-être on pourrait imaginer des campagnes pour encourager la participation des femmes. Il faudrait avoir des enquêtes d'opinion publique pour savoir si le genre est suffisamment intégré pour le public. Qu'en est-il des femmes qui ont besoin de ces services? Est-ce qu'elles ont la possibilité de parler à leur gouvernement? Est-ce qu'elles ont la possibilité d'être entendues? Parce que bien sûr, la politique ne fonctionne pas si ce n'est qu'une théorie. Il faut que ce soit mis en œuvre. Je pense qu'il faut également qu'il y ait des budgets qui soit sensible au genre, que ce soit dans le secteur de la santé, parce que bien sûr, on se rend compte que est-ce que les budgets qui sont alloués au genre pour le moment dans la santé sont suffisants? Est-ce que ils correspondent aux besoins qui existent? Il faut également qu'il y ait des analyses basées sur le genre qui existent et des données ventilées par le genre dans toutes les recherches. Il ne faut pas qu'il y ait également ce débat dans le secteur public, mais également dans le secteur privé, parce que cela permettra d'évaluer cette intégration du genre dans le système de santé. Merci beaucoup, Dib. Vous avez parlé du leadership et des budgets, mais également de la politique, de s'assurer qu'il y ait de la pression qui vienne d'en dehors, des femmes qui soient élues, qui soient représentantes de leurs camarades. Alors, ce n'est qu'un segment de clôture parce qu'on a également beaucoup de questions qui viennent du public. Alors, Christine et JJ, quels sont vos points de vue sur cette question? Alors, je pense que Dib a énormément partagé déjà sur ce qui est nécessaire pour intégrer donc ce budget pour le genre et l'intégration du genre pour le rendre durable. On pourrait imaginer une commission d'audit pour faire un audit des États pour savoir à quel niveau le budget du genre est utilisé et mis en œuvre. Il faudrait compter pour 5% du budget au minimum
Une intégration donc du genre, ce budget représenterait donc 5% du budget total. Des programmes et des plans basés sur le genre fonctionnent plutôt bien, en tout cas dans notre pays. Merci beaucoup, Christine, de répéter donc ces points clés qui ont déjà été partagés. C'est très important. JJ, une dernière quelque chose pour conclure? Oui, un point peut-être. Quand on parle d'intégration du genre, on veut recréer ces bonnes pratiques. Il faut créer des positions dans toutes les parties du gouvernement qui soient dédiées au genre et pas juste une personne. Il faut que cette question du genre soit intégrée dans toutes les parties du gouvernement. Merci beaucoup. Donc, des représentants qui sont financés, qui sont récompensés pour leur travail. Aïssa, qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne la responsabilité pour s'assurer de la transformation du genre dans les programmes comme l'école de Marie, par exemple? Oui, je pense que ce qui est clair, hein, l'école des Maris a fait la preuve que en mettant en œuvre cette initiative, il y a une forte amélioration des indicateurs de santé sexuelle reproductive. Il y a aussi, c'est une preuve que des changements de mentalité. Mais effectivement, il reste des défis. Et depuis 2008, ça fait donc nous avons à peu près 15 ans de mise en œuvre de l'EDM. Donc nous avons vraiment eu un recul par rapport aux défis rencontrés dans la mise en œuvre de l'EDM. Donc, ces défis nous montrent qu'il faut vraiment qu'il y ait une forte responsabilité au niveau du ministère de la promotion de la femme, puisque depuis sa création, c'est surtout le ministère de la Santé qui prenait le pas sur le ministère de la Promotion de la femme. Donc, il est important qu'il y ait vraiment la mise en place d'un dispositif assez fort au niveau du ministère de la Promotion de la femme pour que ce ministère puisse trouver sa place dans l'initiative École des Maris. Autre responsabilité, c'est la responsabilité au niveau communautaire. Nous savons que très généralement, nous sommes dans des sociétés qui sont dans le monde du développement, qui sont très attentistes, qui attendent beaucoup de l'extérieur. Je pense que l'EDM a apporté un changement par rapport à cette vision, mais il reste encore vraiment des défis à relever à ce niveau. Actuellement, l'EDM est en train d'être articulé au niveau communautaire sur les chefs de canton. Effectivement, les chefs de canton, comme on le dit sur le terrain, ce sont des acteurs restants, donc ils restent par opposition aux acteurs qui partent comme des ONG internationales ou des ONG nationales qui ne sont pas vraiment au sein même des communautés. Je pense que cela est important à relever. Autre chose aussi, c'est que il faut qu'il y ait une responsabilité au niveau des femmes elles-mêmes, puisque on parle d'une approche de genre. Et quand on parle d'approche de genre, il est important que ça soit à la fois que tous les genres soient représentés. Or, dans l'EDM, nous n'avons que des hommes. Donc là aussi, c'est comme si on ne peut pas avoir de mixité. Donc il est important d'avoir cette mixité dans la stratégie EDM. Mais là aussi, il faut faire attention puisque ce qu'on a vu jusque-là, les organisations internationales qui ont eu à faire cette mixité, c'est que les normes de genre reviennent encore. Pour mettre en cause cette mixité, puisque lorsque des hommes et des femmes se rencontrent dans la mixité, ben, la détermination de la place de chacun vraiment est du ressort des hommes. Donc là, c'est aussi c'est un défi à relever si nous voulons vraiment cette forte intégration des hommes, des femmes aussi. Merci. Merci beaucoup, Aïssa. C'est un point très, très important et assez provocant de dire à quel point on est allé, jusqu'où nous sommes allés, mais de continuer à négocier donc ces relations de pouvoir et d'intégrer le genre dans les programmes eux-mêmes et avec les différentes parties prenantes. Alors,
Je crois que nous avons un nombre de questions assez important. On n'a pas fini encore, mais on veut vraiment pouvoir donner la parole aux personnes qui nous suivent et qui ont posé des questions. Je vais présenter ma co-modératrice, la professeure Srilata Rao Sheradri, qui travaille à la Fondation publique de santé de l'Inde et qui a été une partenaire clé pour cette collaboration. Je sais que nous avons dépassé le temps, mais je vais vous donner la parole, Srilata. Merci beaucoup, merci Asha, merci à tous les panélistes pour une discussion tellement intéressante. Je vais lancer directement ces questions. Je ne vais pas nous retarder. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été posées. Nous avons une question. Qui est directement dirigée à Christine, je pense, mais également à Dib, en ce qui concerne les budgets sensibles au genre. La question vient de Pauline Letzi qui demande, qui dit qu'il serait très important d'avoir des exemples concrets du budget sensible au genre des pays comme le Népal et les Philippines qui ont intégré ce budget sensible au genre et qu'est-ce que cela a changé de manière structurelle, institutionnelle et sociale. Peut-être Christine pour commencer? Eh bien, pour les Philippines, nous avons vraiment vu un impact très important sur de la part de ce budget sensible au genre. Parce que nous sommes désormais le 16e pays au monde pour l'index du genre. Et nous voyons donc que ce budget est vraiment efficace. Et nous savons que beaucoup de pays, et même si énormément depuis la création de ce budget, nous avons baissé dans ce classement d'index parce que désormais beaucoup de pays font des efforts, il n'empêche que ça a été une des manières pour nous d'améliorer notre index. Un autre point, il y a des agences qui donnent des récompenses aux pays qui ont des projets basé sur le genre, et je pense que d'avoir ce budget permet d'avoir un impact vraiment sur la croissance et l'amélioration de la vie des femmes au niveau de base. Donc, vous pouvez vérifier sur notre site web. Et l'interprète s'excuse, l'intervenante n'a plus d'internet. Srilata qui demande, est-ce que ce n'est que moi ou Christine? On a perdu Christine. Merci beaucoup Christine, très important d'entendre ces questions, d'entendre ces outils utilisés par le gouvernement DIB. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Pardon? Alors, vous aviez mentionné le budget sensible au genre dans votre pays, donc je pense que vous avez l'expérience. Est-ce que vous voulez en parler? Oui. Alors, je n'ai pas d'expérience directe là-dessus, mais nous savons qu'il y a un audit du budget sensible au genre qui fait partie de nos programmes de sensibilisation qui ont commencé entre 2005 et 2006. Et ensuite, nous avons eu un forum communautaire sur ce budget au sein du gouvernement. Cela a permis de baser sur les lignes directrices de baser sur le genre pour créer donc ce budget. La question n'était pas, mais je ne sais pas exactement quel a été l'impact direct de ce budget. Merci. Merci. Je pense que c'est quelque chose à prendre pour nous aussi, quelque chose dont il faut nous rappeler, ces mécanismes de responsabilité peuvent fonctionner. Nous avons une autre question de la part de Tania Jacobs qui est assez différente. Est-ce que vous pourriez peut-être
nous partager, chacune d'entre vous, vos pensées sur la manière dont vous avez fait face aux oppositions et aux actions et aux mouvements et aux actions des mouvements anti-genre, anti-égalité des genres. Je vais peut-être donner la parole d'abord à JJ et ensuite à Issa pour réfléchir là-dessus. Oui, alors aux Philippines, malgré toutes les avancées que nous avons faites sur le genre, et reste un pays très conservateur. L'importance de la religion est très importante ici. Et la religion a donc un impact très fort et une mainmise très forte sur nos politiques et nos politiciens et politiciennes. Donc les leçons apprises sont que nous essayons de gagner nos alliés, de gagner des alliés, et nous essayons de gagner ces batailles. Mais la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de les ignorer et de continuer à avancer sur nos propres agendas. Parce que sinon, nous entrons en burn-out si on essaye de combattre chaque action des mouvements anti-genre, anti-LGBT. Donc j'essaye de prioriser mes combats et j'essaie d'ignorer donc ces mouvements. C'est très intéressant parce que ce que vous venez de dire peut amener à notre prochaine question, mais j'y reviendrai. Je vais donner la parole à Aïssa pour vous demander comment vous fonctionnez avec cette résistance. Qu'est-ce que vous faites face à ces oppositions? Oui, en effet, nous sommes dans le même contexte aussi. C'est que il y a des résistances, c'est clair. Je rappelle que bien souvent, le gouvernement nigérien est confronté justement à ces résistances chaque fois qu'il y a de nouvelles lois qui sont intégrées, comme par exemple l'intégration de l'éducation sexuelle dans le système éducatif. Nous avons eu vraiment des remous d'une forte intensité au niveau du Niger. Je pense que l'École des Maris, cette initiative a pris en compte justement ces résistances en faisant en sorte qu'il y ait dans le fonctionnement même l'intégration au niveau des écoles des Maris, l'intégration de chefs religieux qui font partie, qui sont membres de l'École des Maris et qui vont être vraiment des champions qui vont lutter justement contre ces résistances et qui vont chercher à avoir l'adhésion d'autres chefs religieux au mouvement École des Maris. Donc je pense que bon, c'est une stratégie qui est assez prometteuse et qui fait en sorte que justement on ait cette adhésion des religieux, des chefs religieux. Et je pense que ben, dans tous les cas, nous aurons tout le temps ces résistances et que, il faut faire avec ces résistances et trouver vraiment toujours des voies et moyens pour avoir leur adhésion et non de, je pense, de les ignorer. Merci. Merci, c'est intéressant. Vous et JJ, vous avez parlé de ces responsables religieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de groupes qui pouvaient présenter une certaine opposition, une certaine résistance pour vous dans la mise en œuvre de la nouvelle législation? Je dirais que oui, parfois nous faisons face à une opposition, oui, de la part de certaines communautés religieuses particulièrement. En particulier, une fois la loi adoptée, nous avons vu des conservateurs disant les jeunes, les adolescentes ne doivent pas avoir recours à l'avortement, ne doivent pas avoir recours à la contraception. Donc, ces côtés conservateurs, bien sûr, n'ont pas disparu. Le fait de refuser les avortements à des jeunes, des adolescentes, nous avons toujours fait face à ce type de revers, de résistance. Il y en aura certainement toujours. Nous savons que nous évoluons dans une société patriarcale. Et vous savez, dans des cas, par exemple, des cas d'inceste. Il y a encore des mouvements qui préfèrent voir la personne se marier avec son agresseur plutôt que d'avoir recours à un avortement. Il faut savoir qu'il y a encore ce type de comportement, de mentalité dans nos communautés, bien sûr.
Eh bien, ma question est, est-ce que vous avez réussi à présenter ces questions différemment, alors pour pouvoir embarquer, intégrer de nouvelles parties prenantes? Est-ce que vous pouvez penser à de nouvelles stratégies, à des stratégies particulières, présenter les choses sous un angle pour pouvoir engager une partie prenante, partie en particulier, une nouvelle ONG, un nouveau partenaire international? Maria-Christine, qu'est-ce que vous pouvez partager sur ce sujet? Oui, nous, la Commission philippine pour les femmes. Nous sommes un organe qui participe au processus législatif, donc nous avons pu parler avec, nous avons cherché des référents au Sénat, par exemple, ou la Chambre du Congrès pour chercher ce soutien. L'engagement des alliés, trouver des alliés est une de nos stratégies, bien sûr. Donc, nous cherchons ces référents, ces personnes qui sont d'accord pour nous soutenir et qui pourraient aider à contrer cette opposition, cette résistance. J'en ai entendu parler, bien sûr, de la part de Aïssa et de JJ. Nous aussi, nous avons bien sûr l'influence de la religion dans notre pays. Donc, nous cherchons des référents. Nous appelons champions de cette cause. Donc, des personnes qui, après, aussi s'attendent à voir des résultats de notre part, des mesures que nous cherchons à mettre en place, des choses concrètes, véritablement, pour véritablement intégrer cette dimension du genre dans les décisions gouvernementales. Merci. Je crois que malheureusement, nous n'avons plus le temps de continuer. OK, nous pouvons peut-être prendre seulement une dernière question alors. Priya a posé la question. Est-ce que vous pensez que vous avez dû trouver des compromis dans votre programme d'inclusion de la dimension du genre? Certains sujets qui étaient peut-être acceptables par les décideurs d'action publique, par les leaders, d'autres qui étaient moins acceptables? Je crois que vous en avez parlé dans la réponse à la question précédente. Comment est-ce que vous avez pu décider alors d'avancer sur les domaines essentiels, les questions essentielles pour l'inclusion? Nous pouvons prendre maintenant juste rapidement quelques minutes pour répondre et ensuite conclure cette session. Aïssa, est-ce que vous souhaitez répondre? Est-ce que vous pensez que vous avez dû appliquer un certain compromis, mettre en avant certains aspects plus importants pour vous, peut-être réduire l'importance d'un autre sujet avec laquelle vous pensez que vous auriez peut-être moins d'engagement ou d'influence? Oui, merci. En fait, le compromis, c'est que le contexte du Niger montre que, en termes d'intégration du genre, nous partons vraiment de loin. Nous partons de loin et que les mentalités sont assez fortes, n'est-ce pas? Sont quand même enracinées dans l'acceptation de l'égalité des genres. Donc, l'égalité n'est pas pour le moment acceptable dans cette société nigérienne, comme dans tous les pays du Sahel d'ailleurs. Et donc, ceci nous amène vraiment à baisser le niveau de nos ambitions. Nous voulons, en fait, dans le programme, je pense, hein, dans le contexte dans la mise en œuvre de l'initiative École des Maris, c'est vraiment l'équité de genre qui est plutôt acceptable. Donc, nous devons vraiment baisser nos ambitions par rapport à cette vision de l'égalité entre les sexes. Merci. Merci. Nous arrivons maintenant à la fin de cette session de questions-réponses. Merci beaucoup pour vos présentations, vos participations si intéressantes. Bravo pour vos efforts, vos travaux. Merci beaucoup aux personnes qui ont posé des questions également, qui ont envoyé leurs commentaires. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette discussion, à ce panel. Vos participations, vos contributions nous ont donné matière à réflexion. Beaucoup de leçons apprises à la suite de cette session. Donc, nous voyons que
le positionnement de l'égalité de genre comme condition prérequise pour un système de santé durable. Nous voyons des progrès ont été faits. Nous avons entendu de l'expérience de nos panélistes, mais nous savons qu'il y a aussi eu des moments de résistance, d'opposition, de recul dans le progrès ou de ralentissement dans le progrès. Pendant la pandémie de COVID-19 notamment, il y a encore de grandes inégalités, de grandes différences dans l'application, dans l'intégration de la dimension du genre dans les programmes sanitaires. Mais bien sûr, nous savons que l'intégration de l'aspect du genre permettrait de traiter cette question des inégalités dans le domaine sanitaire. Comment faire? Eh bien, nous voyons par le biais de nos études de cas, nous voyons comme professeur Kabir, comme Sagri ont souligné aujourd'hui ce processus d'écoute, de mise en œuvre de ces études de cas. Cela a été un processus de réflexion, de collaboration, un engagement de toutes les parties prenantes, un véritable cheminement que nous avons entamé tous ensemble. Nous avons toutes et tous appris. Nous voyons que ces 6 études de cas sélectionnées sont extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette discussion nous a aidés à aller encore plus en profondeur dans les questions les plus importantes pour développer un programme à l'échelle, un programme national avec des partenaires internationaux. La première question à laquelle nous avons souhaité répondre était: quelle est la valeur ajoutée de ce projet? Est-ce que nous pourrons mettre en place une feuille de route pour l'intégration du genre? L'intégration de la dimension du genre dans les politiques et les systèmes sanitaires. Et ce que nous avons appris par le biais de ce panel, de cette discussion, ce qui a été illustré par les études de cas, est que chaque étude de cas nous montre qu'elle est sur sa propre trajectoire. Elle a son propre récit, sa propre évolution, parce que les inégalités entre les genres sont déterminées par la société, elles sont enracinées dans des relations de pouvoir, des dynamiques de pouvoir, et elles sont particulières dans chaque contexte, dans chaque société. Et c'est pourquoi il faut prendre en compte ces différences contextuelles. Cela nécessite un travail sur le long terme, un travail durable des différentes parties prenantes. Deuxièmement, comment mesurer les réussites, le succès du programme? Au départ, nous avons dit que nous n'allons pas parler de bonnes pratiques, mais nous allons parler de pratiques prometteuses, de pratiques encourageantes. Parce que nous avons compris que le succès aussi, la réussite, c'est quelque chose de relatif. Johanna l'a expliqué dans sa présentation. Nous ne sommes pas là dans un sprint, nous sommes là dans un marathon. Et ces indicateurs de réussite, de succès vont aussi faire une différence. La troisième grande question, comment engager le gouvernement? Le gouvernement peut véritablement changer la donne dans le développement d'un programme à l'échelle. Nous avons entendu les mécanismes, les instruments mis en place au Népal. Nous avons entendu la collaboration active du ministère au Niger, des deux ministères intégrés, les guides sur la dimension du genre mis en œuvre dans les cliniques en Inde. Donc, nous avons entendu qu'il y a encore un véritable fossé, un véritable écart à combler, mais nous savons que les gouvernements, maintenant, abordent ce sujet, écoutent les différentes parties prenantes et vont, nous l'espérons, être de véritables contributeurs à nos travaux. Nous avons vu que le changement est possible par le biais de ce travail intense à tous les différents niveaux, nationaux, au niveau local, par le biais de l'intervention de partenaires au niveau local, au niveau national. Nous avons besoin de ces référents sur le terrain, comme JJ l'a mentionné. Nous avons telle diversité de personnes impliquées et nous avons véritablement besoin de cet engagement à tous les niveaux pour voir un véritable changement. Donc, grâce à ce projet, nous avons mis en avant ces success stories, ces programmes qui réussissent, qui sont sur la voie de la réussite. Mais bien sûr, nous avons besoin maintenant de davantage de preuves, de preuves de faisabilité, de preuves de succès. Nous devons prendre en compte l'aspect de l'intersectionnalité. Le côté transversal de ce projet, donc
Comme Johan l'a dit, nous espérons que nous allons pouvoir engager encore davantage de parties prenantes, embarquer encore davantage de parties prenantes dans ce projet. Avant de clôturer cette session, j'aimerais vous inviter à aller sur le site internet si vous le souhaitez pour suivre donc sur le Gender and Health Hub. Le site internet, vous pourrez voir donc la présentation des résultats des études de cas, l'identification, la sélection dans le cadre de l'étude. Vous verrez une publication sur le dialogue politique national, l'engagement avec les différentes parties prenantes. Nous avons utilisé donc des preuves basées sur la pratique. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos commentaires sur nos travaux, sur cette session si vous le souhaitez. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires par email. Nous vous mettons les différents moyens de nous contacter dans le chat. Et donc, nous allons aussi vous envoyer une petite enquête à la fin de cette session. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, veuillez y répondre. Nous serions heureux de voir comment vous avez vécu cette session. Merci beaucoup pour votre participation, ces conversations si fructueuses et si intéressantes. Merci pour votre attention.